Et salut les rêveurs, donc déjà merci beaucoup d'être présent pour ce nouvel épisode. Alors c'est un épisode assez particulier pour moi quand même. Hein. En effet, imaginez un BMiste sur une KTM. Ouais, on est d'accord, hein. Ça fait assez bizarre. Hein. Allez, plus sérieusement, je vous propose de découvrir l'essai de la 390 et la 890 Adventure de la marque KTM. Allez, c'est parti pour ce test. Alors nous sommes dans le secteur du Pic Saint-Loup, et plus précisément entre Notre-Dame-de-Londres et Saint-Bosile-de-Puteaux. Ce sont des petites routes de chèvre que j'adore. Afin de bien prendre en main nos motos, j'ai voulu commencer par ces enfilades de virages en épingle. C'est un bon moyen de comprendre comment elles fonctionnent et d'analyser la façon de les piloter. La première chose qui va nous surprendre, c'est la hauteur des selles des deux motos. En effet, malgré nos gabarits, hein, moi 1m82 et Cyril 1m90, on pose les pieds sur la pointe. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que le guidon lui tombe complètement sous la main, et il est très accessible et très facile d'utilisation. On arrive désormais sur une partie plus roulante qui va nous permettre de tester l'accélération de ces deux KTM. Alors là, la 390 manque cruellement de couple en bas, mais elle n'a rien à envier à sa grande sœur lors de sa phase d'accélération. En effet, dès qu'on tape un peu dedans, on comprend comment elle fonctionne et on obtient le résultat escompté. La 890, quant à elle, est épatante. Le couple est partout et elle en a même beaucoup trop, hein, ce qui va nous emmener très rapidement à des vitesses illégales. Voilà sur la dernière partie du parcours avec pas mal de pif-paf qui s'enchaînent. Un bon moyen de voir comment se comporte le châssis de nos machines. KTM fait très fort. Que ce soit la 390 ou la 890, le châssis encaisse tout et nous laisse enchaîner les virages sans aucun problème. Vraiment bluffant. Pour connaître tout de suite notre avis et avoir plus de détails techniques sur ces deux machines, on se retrouve tout de suite au restaurant Le R. Thank you.
Eh ben écoute, moi j'aime bien ce genre de débrief. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais. Hein, allez, santé. Hein. Santé, hein. C'est de l'eau, bien sûr. Toujours. Alors, on a fait un petit essai sympathique aujourd'hui. Un petit essai très sympathique, ouais. Orange. Orange, ouais. D'ailleurs, j'ai trompé ma GS, je suis pas content. Bon, alors, t'avais quel motel, toi? Alors, j'avais la KTM, la 890 Adventure R, un modèle 2022. Mm-hmm. Et puis toi, tu avais, du coup? La 390 KTM. Adventure, excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Et 2021, toi? Ouais, c'était le modèle 2021. 2022, il va y avoir quelques modifications. Donc, on aura peut-être l'occasion de revoir ça plus tard. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, écoute, déjà, celle que j'avais, vraiment une position déjà très haute, mais à la fois, ça ne m'a pas forcément perturbé. D'accord. Un bon moteur, bien couplé, hein. Forcément, c'est du KTM, hein. On sait ce que c'est. Hein. Et puis après, on a quand même essayé un petit peu, on a changé un petit peu le moteur. Ouais. J'ai trouvé la 390 pas mal. Après, c'est sûr qu'il manque un peu de moteur, mais très agréable comme à conduire, que ce soit en ville. Même si tu disais que toi, la première puissance est en haut. Ouais. Bah, je suis obligé de taper dedans, donc ça me dérange un peu. C'est pas ma façon de rouler. Moi, j'aime bien avoir du couple en bas et le travailler comme ça, ce que j'ai retrouvé d'ailleurs sur ta 890. Ouais, ouais. C'est pour ça que je me suis senti tout de suite à l'aise. La 390 est très intéressante, je pense, pour un jeune permis ou quelqu'un qui reprend. Mais c'est vrai qu'il faut la cravacher pour commencer à avoir quelque chose, quoi. C'est ça. Après, les motos sont quand même bien placées, je trouve, au niveau du tarif. Ouais, au niveau des prix, oui. La 390 est dans les 7 200 €. C'est ça. Et sur celle qu'on avait, nous, la seule option qu'il y avait, c'était le petit échappement qui était dans les 638 €. Bon, en gros, pour 8 000 €, tu as une moto neuve. C'est ça, ouais, voilà. Et la 890 Adventure, du coup, modèle 2022, là, il y avait quelques options quand même dessus. Il y avait l'échappement aussi à Krapovic, qui était dans les 980 €. Il y avait le pack, c'était un tech pack, qui intégrait en fait pas mal de technologies. Il y avait le mode rallye, voilà, qui permettait de configurer sa moto sur mesure. Essentiellement pour du off-road, hein, voilà, vraiment. Il y avait vraiment un régulateur de couple. De couple, c'est ça. Et il y avait deux selles confort dessus. Enfin, confort, on se comprend. On va en parler de ça. Alors, c'est pas compliqué. Eh bien, écoutez, j'ai eu mal au cul. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai l'habitude avec la GS d'avoir une selle très large et très confortable avec une très grosse assise. Mais là, pour avoir essayé quand même pas mal de motos ces derniers temps, j'ai trouvé vraiment que c'était hyper raide. Alors, après, je pense que comme tout le monde, chacun y trouvera son goût ou pas. Mais pour moi, le confort au niveau de l'assise n'est pas là, contrairement à la conduite. Ça avait été un des défauts que moi j'ai ressenti énormément. Voilà. Après, voilà, la moto était vraiment très agréable à piloter. Franchement, pour une journée, c'était super sympa. Alors, j'en ressors avec cette satisfaction. Moi, j'ai eu la 390 un certain temps. Et c'est vrai que c'est une moto, au départ, j'ai vraiment cherché mes repères. Une fois qu'on les a, c'est vraiment une méthodologie de conduite que je n'avais pas, que je ne connaissais pas. Donc, c'est vrai que c'est très agréable finalement, parce qu'elle ne permet pas de partir réellement à l'erreur. Le châssis, il est fou. Le freinage, il est top. Ouais, non, franchement, il n'y a que ce qui m'a surpris, c'est la hauteur de selle pour une 390. Celle-là aussi était grande aussi. Ouais, franchement, la 890, ça paraît presque normal que c'est quasiment. Mais même moi qui fais ma 90, j'étais vraiment sur la pointe des pieds. La 390, elle était déjà haute. Par contre, elle a un angle de braquage qui est formidable. Incroyable. Là, on peut faire demi-tour comme on veut. Incroyable. La 890, l'angle de braquage est un peu plus court. Mais en même temps, ils ont réussi à faire en sorte que les guidons soient relativement étroits. Oui, et d'ailleurs, on l'a bien ressenti en centre-ville. Hein. Un bonheur à conduire, parce que là, ça passe à une... Ouais, ça passe bien. Ouais, ça marche très, très bien. La 890 a énormément de coupes et j'ai trouvé qu'elle ne s'arrêtait pas de monter. Donc, j'ai été agréablement surpris. Ce qui est agréable, c'est effectivement sur la 890, c'est que le couple est en vraiment bas. Ouais. Alors que sur la 390, il faut vraiment, quand tu veux, monter en haut pour l'avoir. Et là, c'est vrai que c'est très agréable d'avoir ce couple à bas régime. Alors, il faut savoir que c'est des motos qui vont être donc commercialisées sous peu, hein, parce qu'en général, elles servent de motos d'essai. Dans peu de temps, ils les mettront en vente. Donc, c'est l'occasion de retourner rencontrer l'équipe de KTM, notamment Cédric. Hein, merci encore à lui. Et KTM 34, hein, n'oubliez pas ça. Qui se retrouve au motoparc à Modéon. Exactement. Donc, n'hésitez pas à aller voir et pouvoir essayer ces modèles-là. Ils seront en vente avec un prix dessus, hein, donc ça vaudra le coup. Et on devrait pouvoir normalement essayer de nouvelles motos avec eux dans peu de temps, en espérant pouvoir vous présenter de nouveaux modèles. C'est ça. Allez. On se dit à très vite. À bientôt. Merci pour tout. Ciao. Ciao. Et puis à la vôtre. Hein. Surtout à la vôtre. 'Vous croyez quand même pas qu'on va vous laisser partir sans entendre le son rock très spécifique de ces motos KTM.
Alors on écoute ça, et ensuite vous pourrez retrouver la fiche technique. Merci encore à tous, et bonne fin de vidéo.